I need you to stay. Hi everyone, welcome back. Ici 2MD. Aujourd'hui, guys, on va créer une page. On va créer cette page web du début jusqu'à la fin, étape par étape. C'est un cours débutant pour les nouveaux, quoi. Pour les nouveaux. Et en suivant ce tutoriel, vous pouvez vraiment commencer à faire quelque chose avec HTML et CSS. Now, let's get started right away. Bon, avant tout, pour créer ce site web, d'abord, d'abord créer le dossier site B. Tu crées le dossier de ton site web. Ok. Nous avons maintenant le site web B, le fichier B, il est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre mon premier site web. Je vais mettre ça en minuscule et les espaces, je le remplace par le tiré du 8. Le premier site. Bon, mais ce sera simplement une seule page. Hein. Voilà, maintenant, on va créer le dossier prêt. Une fois le dossier créé, bon, après tu ouvres ton éditeur de texte. Hein. Moi j'utilise Virtual Studio Code. C'est très très pratique parce que Visual Studio Code, la extension, tu peux utiliser des extensions et les extensions ça te permet d'écrire beaucoup plus rapidement ton code et aussi ça diminue le travail à faire, quoi. Bon, d'abord je vais cliquer sur file, en français ce sera fichier, et là j'ouvre le dossier sur mon éditeur en cliquant sur open file, ouvrir le dossier. Là je vais dans mon bureau. Yes, ah non, that was not here. Voilà, mon premier site, ok. On va ouvrir. Pourquoi ça ne fait pas? Ok, attends. Demande de faire open file. Non, c'est une erreur. Open folder. Folder, mon dossier. Open file, mon ouvrir fichier. Là, mon premier site, voilà. Et là, j'ouvre mon dossier. Ok. Maintenant, j'ai ouvert ça. Et si je veux créer un fichier, si c'est mon dossier B, je clique simplement sur cette icône-là, le premier icône. Just right click over there. Ok? And now, on est sur le tour. Il faut nommer ça. Donc, je vais appeler ça any. Le fichier html.html. Ok, sorry. HTML. No, I didn't write HTML. Ah, right. Voilà. Bon, pour le code minimal, je vais utiliser un raccourci directement pour ne pas perdre du temps. Et là, voilà, j'ai mon raccourci. Et aussi je vais créer le fichier CSS que je vais associer à mon fichier HTML, like any.css. Oh, any.css. yes. Oh, I'm sorry, back in the magazine, quoi. Now, title, je vais donner ça un titre.
Voilà, je vais mettre any. Alright. Maintenant, j'ai créé le fichier CSS, j'ai créé le fichier HTML de notre future page. Et je rappelle que la page qu'on va créer, là voilà. Oups, 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 oups. Voici la page qu'on va créer. Bon, maintenant, je vais créer le fichier. Je vais lier maintenant le fichier CSS any et le fichier HTML any ensemble, quoi, faire la liaison, parce que quand tu veux appliquer du code CSS, le code CSS on l'applique à un fichier HTML. Maintenant, pour faire cette connexion, il faut utiliser la balise link. La balise link avec l'attribut REL avec la value stylesheet. La value maintenant le deuxième attribut, l'attribut href, c'est avec cet attribut tout fichier CSS bien lié avec le fichier HTML. Le fichier CSS, voilà, ça y est déjà là. On l'a appelé any.css. Ok. Alors, je vais utiliser ici les majuscules, quoi, pour le title. Voilà. Ça y est. Maintenant, c'est ça le code minimal. Voici le code minimal. Maintenant, on va regarder ce qu'on va créer. Oui, avant de, c'est ça le code minimal. Maintenant le body, tout ce qui apparaît dans notre page web ou bien dans notre page HTML, ça doit être mis à l'intérieur de la balise body. Maintenant la balise body, il y a des parties en général qu'on utilise, que partie nga xamantene mom ni divisé body. Et la première partie c'est la partie header, comme en français on dit en tête. On a la partie main, en français c'est le contenu principal. Et là après on a aussi footer, c'est le pied de page. C'est à dire trois balises, c'est comme par exemple quand on a une texte de dissertation, vous avez trois parties. Le texte, la dissertation est organisée en trois parties. Il y a la première partie, c'est l'introduction. Deuxième partie, on a le développement. Et la troisième partie, on a la conclusion. Et c'est en comparaison, quoi, pour que nous comprendre, header, on peut comparer ça à l'introduction. Et c'est la partie qui est toujours en haut de la page. En haut, c'est la partie qui est toujours en haut de la page. Et maintenant, main, la balise main, on est comparé au développement de la dissertation. C'est la partie la plus importante. Et maintenant, footer, on est comparé comme par analogie, quoi. On peut comparer ça à la conclusion, et c'est la dernière partie qui est en bas de l'écran, quoi, ou bien en bas de la page web page HTML. Maintenant il y a ce qu'on appelle maintenant le menu de navigation. Et le menu de navigation, c'est la balise nav moreover. Maintenant le menu, ce sont des liens. Un menu, ce sont des liens, et ça te permet de naviguer sur un site. Par exemple, dans un site, bon, on a le menu de navigation. Maintenant, le menu, non, on a
la page d'accueil. Maintenant, vous voulez dire page d'accueil, vous pouvez dire dans une autre page du site, par exemple, dans la sur la page, quand on est à l'UVS, quand on entre dans le site UVS, on voit la page d'accueil. Et si on veut aller sur des formations, on clique sur le lien du menu formation. Maintenant, ces menus-là, le menu est fait avec la balise nav. Maintenant, dans le menu, on trouve des liens. Ce sont ces liens qu'on clique pour naviguer d'une page à une autre. Okay? Maintenant, la balise nav, on peut placer ça à l'intérieur de header ou bien à l'intérieur de main. Ou bien on le sépare de header et main comme nous le séparons. Ok? Il y a quoi dans le où positionner la balise nav. La balise nav n'a pas de position fixe. Donc tu peux placer ça là où tu veux. Ok? Maintenant on a header, nav et maintenant, pour ça, pour le placement, il faut regarder mon design. Et ce qui est en haut de la page, c'est ça le header. Donc, moi, j'ai déjà mon header. Quand je regarde l'image où on a la fille qui est en train de manipuler son laptop, on a à gauche un logo. Et ni, on a un texte web côté client. Et en bas, on a une barre qui est rose. Et cette barre, c'est le menu. C'est ça qu'on appelle un menu. Ok? C'est ça qu'on appelle un menu. Donc là, on voit que le menu, c'est fait avec la balise nav. Et donc, le menu est là-bas. Donc, tout ce qui est en haut de la menu, c'est la balise head. N'est-ce pas? La balise head. Et voici notre balise header. Et dans notre balise header, on a une image. Ok. Maintenant, regardez l'image. Sur l'image, on a le logo qui est sur l'image. On a un texte web côté client qui est sur l'image. Donc, ça veut dire que l'image en ce moment, avec l'image où il y a la fille, il est en background. Il est en arrière-plan, le mec. Ok. Parce qu'il y a deux manières d'ajouter une image à une page HTML, soit le faire ça avec CSS, et quand on fait ça avec CSS, ça devient une image en arrière-plan. Et quand on fait ça avec HTML, ça devient une image simplement sur une page, quoi. Mais pas en arrière-plan. Ok, maintenant, on va d'abord ajouter l'image où il y a la fille. Et l'image où il y a la fille, on va ajouter ça en arrière-plan. Ok, mais d'abord CSS, le code CSS, c'est toujours c'est une règle où on a un sélecteur. Par exemple, l'étoile, c'est un sélecteur, et là c'est le sélecteur général. C'est à dire quand j'utilise étoile, cela veut dire que j'identifie tous les éléments qui sont dans ma page HTML. Ok, et là on utilise toujours un sélecteur. Par exemple, le sélecteur, ça permet d'identifier les éléments de la page, parce que quand on applique du CSS, d'abord on identifie l'élément avec l'élément où on veut. On identifie l'élément où on veut appliquer une propriété des règles CSS d'abord. On identifie un élément d'abord. Après avoir identifié l'élément, cet identificateur, c'est ça qu'on appelle un sélecteur. Maintenant, là, l'étoile, c'est le sélecteur qui identifie tous les éléments HTML qui sont sur la page. Donc là, l'étoile, ça identifie tout. Ok, maintenant, et après il y a l'accolade, une accolade ouvrante et une accolade fermante.
Maintenant, à l'intérieur, c'est là qu'on met ce qu'on appelle une propriété. Le sélecteur, il identifie l'élément où on veut, l'élément qu'on veut changer d'apparence. Le sélecteur identifie l'élément qu'on veut changer d'apparence, quoi. L'élément bug, par exemple, changer sa couleur ou bien augmenter sa taille, c'est le sélecteur qui l'identifie. Maintenant, ce qu'on veut faire avec ce qu'on veut faire avec l'élément, quoi, si on veut changer sa couleur, si on veut augmenter sa taille, ça on le fait avec à l'aide des propriétés CSS. Ok, chaque propriété a un nom et une valeur. Par exemple, quand je dis padding, padding c'est une propriété CSS. Ok, et après on met les deux points et ensuite on met la valeur. Maintenant, padding, c'est une propriété de CSS qui permet d'ajouter de l'espace à l'intérieur d'un élément. Et margin, je vais ajouter margin 0, margin. Maintenant, margin, c'est une propriété CSS qui permet d'ajouter de l'espace dans les sur les alentours d'un élément HTML. Et chaque propriété CSS est terminée par un point virgule. Ok, je vais ajouter un autre propriété CSS, box sizing. Oh, yeah. J'ai pas du border. Box sizing. Box sizing, border box. Ça, ce sont des propriétés générales qui ont bon, vous pouvez l'ajouter chaque fois si vous si vos fichiers CSS, ça permet, ce sont des paramètres, quoi, qui vont vous aider à bien écrire vos propriétés CSS ou bien le document CSS, quoi. Vous pouvez copier-coller à chaque instant, quoi. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter l'image. Maintenant, l'image qu'on va ajouter, cette image, c'est l'image de header, c'est-à-dire il est en haut de la page HTML. Et en haut de la page HTML, c'est la première partie. La première partie, c'est le header. Donc l'image, je vais le mettre sur le header. Et comme je l'ai dit, il faut pour ajouter une propriété CSS, il faut d'abord un sélecteur. Le sélecteur, il permet d'identifier l'élément qu'on va changer son apparence ou bien qu'on va faire quelque chose, quoi. Maintenant, je vais choisir header. Le header, c'est le nom de la balise. Le nom de la balise, c'est toujours un sélecteur s'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire s'il y a un seul header dans la page HTML, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Quand je dis header, il s'agit que comme qu'il y a un seul header, on sait tous de quel header il s'agit. Ok, maintenant, pour mettre une image en arrière-plan, il faut utiliser la propriété CSS background image. Maintenant, et la valeur, on utilise la propriété URL. Ok, et à l'intérieur des quotation marks, on met le fichier image qu'on veut afficher sur notre page HTML. Il s'agit de la femme avec le laptop. Ok, maintenant pour faire ça, je vais aller prendre l'image de la femme. La voilà, woman. Je vais aller copier ça dans mon site. Ok, pour afficher une image,
Dans notre page HTML, d'abord, il faut copier l'image dans le dossier du site. Voilà, et donner ça un nom facile, un nom où on peut facile et qu'on peut reprendre encore. Parce que on aura besoin du nom et aussi de ce qu'on appelle l'extension. Toujours, il faut regarder au niveau de la ligne type du fichier. Il y a c'est marqué .jpeg. C'est ça qu'on appelle l'extension. Okay. Et là, on met le nom de l'image, woman. Et là, je mets l'expansion. C'est toujours ce qui vient après le point. Et l'extension, c'est point JPEG. OK. Voilà. Je vais aller maintenant aller ouvrir mon fichier HTML, mais ma page HTML. Voilà. Attendez. Google Chrome. Voilà, c'est pas toi. Ok, je vois. D'abord, il faut donner, j'ai oublié de donner à header. Il faut donner un taille à header, c'est-à-dire l'élément header. Il faut pour que l'image arrière-plan puisse apparaître, il faut donner une taille à l'élément header. Une taille, c'est-à-dire une longueur et une largeur. Maintenant, pour donner une longueur, on utilise la propriété width, hein. La propriété width en bas là. Et maintenant, on donne une valeur à la propriété. Par exemple, quand je donne la valeur 400. En CSS, une unité pour CSS qu'on utilise, c'est l'unité qu'on appelle px, pixels. Ok. Et là, pour la hauteur, on utilise la propriété CSS height. Ok. Et par exemple, je vais utiliser 500 pixels. Ok. Maintenant, je vais aller actualiser. Voilà, vous voyez que maintenant l'image apparaît, mais l'image n'apparaît pas tout, hein. J'ai besoin de mon image, regardez, j'ai besoin que mon image s'étende sur toute la largeur de la page. Maintenant, la largeur de la page, c'est ce que j'ai dit, width, c'est ça qu'on appelle width, ok? Voilà le but. J'ai mis 400 pixels et 400 pixels, ça ne suffit pas. Je veux que l'image soit sur toute la largeur de la page. Et pour faire ça, il faut que je donne la valeur de la largeur 100% de la page pour que ça soit tout. Pour que ça soit sur la page, sur la longueur de la page. Voilà, comme vous voyez, ça occupe tout là. La longueur de la page. Ok. Mais l'image, la hauteur de la page, la hauteur est trop grande. Il faut que je diminue la hauteur parce que là, vous voyez que voilà, l'hauteur de l'image est là. Notre hauteur est très grande. Ok. Et la hauteur, c'est fait. On calcule la hauteur avec la propriété CSS height. Pourquoi ne pas mettre 300 pour voir? Ah, 300, c'est très peu. Donc, je vais mettre là-bas 330 de ce genre. Donc,
330, c'est pas possible. Mettons 380. Voilà, je crois que c'est bon hein, par rapport à. Bon, je vais ajouter un petit peu. Ajouter un petit peu. Hein. Peut-être, ouais. 380. 390. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant, on a posé l'image. Hein. Background image. Ok, on a notre image. Si on regarde notre page, on a le logo Eni. On a le logo Eni qui n'est pas encore posé. On a le texte web côté client qui n'est pas encore posé. Je vais dire depuis le début qu'il y a deux manières d'ajouter des images à notre page HTML, soit en le faisant par CSS comme on l'a déjà fait, soit en le faisant par HTML. Mais en le faisant avec HTML, on utilise la balise IMG avec deux attributs, src for source and alt pour la description de la page. Quand l'image n'apparaît pas, quand il y a un problème avec l'image, c'est la valeur de alt qui apparaît, c'est-à-dire la description. Maintenant, je vais prendre le logo, l'amener dans mon site, dans le dossier de mon site pour pouvoir maintenant l'ajouter après sur la page HTML. Voilà mon site, j'ajoute l'image. Ok, je regarde logo Eni, je regarde l'extension. L'extension c'est .png. Voilà. On fait la même chose comme tout à l'heure. Voilà, l'attribut src source, c'est là qu'on donne le nom du fichier. Je crois que c'est logo Eni, voilà, et l'extension. Et alt, c'est la description. Au cas où on a un problème avec l'image, c'est la description qui apparaît. Ok, là, je vais aller actualiser ma page. Voilà, là j'ai logo Eni, comme vous le voyez. Mais regardez le design. C'est ça qu'on appelle le design. C'est que vous, le visuel de votre page HTML, c'est ça qu'on appelle avant de créer la page HTML, il vous faut un visuel pour savoir si, pour vous guider quoi. Maintenant, ce visuel là, on appelle ça votre design ou bien un prototype. Et maintenant, mon design là, j'ai vu que le logo, il y a de l'espace à gauche, il y a de l'espace en haut. Et cet espace, c'est sur les contours. Sur les contours de l'image. Maintenant, pour ajouter une image, pour ajouter de l'espace sur les contours d'un élément HTML, on utilise CSS. Mais d'abord, sur quoi je veux ajouter le logo Eni? C'est le logo Eni que j'ai ajouté là. Je l'ai ajouté avec quel élément HTML ou bien avec quelle balise. Voilà cette balise. C'est cette balise qui a ajouté l'image logo. Maintenant, il faut que j'identifie ça. Et pour identifier un élément HTML, on peut utiliser l'attribut ID ou l'attribut classe. Ok? Pour l'attribut classe, non, c'est pas cette classe, c'est pas la classe là. Pour l'attribut classe, et les deux là, chacun a ses propriétés. Quand j'utilise l'attribut classe, que je donne par exemple, je donne un nom que je vais utiliser après, par exemple, je vais donner ça style. C'est-à-dire cet attribut là, le nom style, je peux l'utiliser, je peux prendre la classe avec la valeur style, maintenant le poser ici, le mettre dans la balise ouvrante de nav pour pouvoir l'identifier,
en utilisant la même classe. C'est possible. C'est-à-dire, et en ce moment, on peut identifier les deux balises, la balise nav et la balise img. La balise nav de la ligne 14 et la balise nav et la balise img de la ligne 12, on peut les identifier tous les deux avec la classe qui a comme pronom style. OK? Mais quand j'utilise l'attribut ID, par exemple, quand je crée une attribut ID pour identifier cette image avec la valeur style, je ne peux pas utiliser cette même attribut ID pour identifier la balise nav. C'est impossible. Un ID, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Je dis pas qu'on peut pas mettre, qu'on peut pas créer plusieurs ID. Je veux dire que si je veux créer un autre ID, il va falloir que je change cette valeur et dire par exemple navigation. OK. Je peux pas utiliser la même valeur de ID sur plusieurs éléments HTML. OK. Ça, c'est classe qui peut faire ça. Quand tu utilises l'attribut ID pour identifier un élément HTML, le nom de l'ID, tu ne peux pas encore l'utiliser sur un autre élément pour l'identifier. Mais avec l'attribut classe, le même nom de la classe, tu peux l'utiliser pour identifier un autre élément HTML. OK. Là, je vais dire ça. Je vais mettre bannière, hein. C'est ce que ces images là, on les appelle souvent bannière. Maintenant, j'ai identifié mon image logo avec l'attribut ID bannière. Maintenant, je veux appliquer des propriétés CSS sur mon image logo. Je l'identifie ici. J'ai utilisé un attribut ID pour l'identifier. Maintenant, les attributs ID sur le code CSS, on les précède toujours avec un jazz signe, un jazz sign. Bien, comment on appelle ça, le jazz sign? I guess hash sign. On précède avec un hash sign. Après, on met le nom de l'attribut ID. On a mis. Je crois que j'ai. Non, pas peigner. Il faut mettre le logo. Un bannier, maintenant il y a les bannières qui le logo, j'ai mélangé un petit peu logo. OK, et maintenant on met les accolades et à l'intérieur on met la propriété qu'on veut écrire. Par exemple, on veut mettre de l'espace sur les contours de l'élément, et pour mettre les espaces, il faut utiliser la propriété margin. Mais comme vous le voyez, je vais ajouter de l'espace en haut. Et pour faire en haut, en France, en anglais, ça veut dire top. Pour dire que l'espace qu'on va ajouter, on va l'ajouter en haut. Maintenant, on va donner une valeur. Les valeurs sont toujours, en CSS, les valeurs sont accompagnées par des unités, comme pourcentage et px, pixels. Okay? Je vais donner, par exemple, une valeur comme 25 pixels. On peut voir. OK, et qu'est-ce que ça passe? Vous voyez que maintenant il y a de l'espace en haut du logo, comme ça. OK, mais il faut que j'ajoute encore de l'espace. Pourquoi pas 40 pixels? J'actualise ma page, voilà, c'est bon. Et là, qu'est-ce que je fais? Après, je vais ajouter de l'espace ici. Comme vous le voyez, l'espace ici, c'est à gauche. Hein? Il y a à gauche du logo, on a encore de l'espace. C'est toujours sur les contours du logo. Donc, on utilise margin. C'est margin qui ajoute de l'espace sur les contours. Et comme que c'est à gauche, et à gauche, on appelle ça left en anglais. Je mets left 2 points. Par exemple, je peux mettre 40 pixels, hein, encore pour essayer de voir ce que j'ai. J'actualise, voilà, je crois que maintenant c'est bon, hein? Ça ressemble à mon design. Là, il me reste maintenant le texte.
Le texte web côté client. Web côté client, web côté client, c'est ce texte, c'est un titre. Parce que là, le texte est de grande taille. Donc, j'utilise un titre. Pour faire les titres, on utilise des balises H. Mais comme ce texte est de grande taille, donc le titre le plus grand des titres, c'est le titre H1. H, ça veut dire heading. Et heading, ça signifie en anglais, quoi. Et heading, heading en français, ça signifie titre. Côté client. Ok. On a le chapeau. Côté client. Ok. J'actualise ma page. Voilà, maintenant j'ai le texte web côté client. Ok. Mais elle est blanche. De couleur blanche. Et aussi elle est à droite. Moi, mon côté web client, il est à gauche. Donc, il faut que je sente sa présentation, je sente son apparence, ok, et sa position aussi. Et pour faire ça, toujours la présentation des éléments HTML ou bien leur apparence, ou bien leur position, on le fait toujours avec du CSS. D'abord, notre web côté client, ce texte est affiché sur la page en utilisant l'élément HTML H1. Ok, et aussi, comme qu'il y a un seul H1 ici, j'ai pas besoin de mettre un ID ou une attribut classe pour l'identifier. Je peux directement utiliser le nom de la balise. Mais il faut faire attention, hein, quand il y a un autre H1, il faudra changer, parce que quand on a deux H1, ça devient ambigu, parce que l'ordinateur ne saura pas de quel H1 toi tu as identifié. Il va appliquer les mêmes propriétés CSS sur tous les H1. Ok, et j'ai un seul H1, c'est pourquoi j'ai utilisé directement le nom. Ok, et maintenant pour changer la couleur, on utilise la propriété color, ok, avec la valeur white qui veut dire blanche en français. Ok, oups. Voilà, je vais aller, voilà, maintenant il y a mon texte qui est blanc. Maintenant il me reste à amener ça à droite. Pour amener à droite du texte, il y a toujours une propriété en CSS. Toujours, on utilise la propriété texte align avec la valeur. Je vais mettre ça à droite. Droite en anglais, ça veut dire right. Alright. Right. Maintenant, je mets ça à droite. Voilà. Maintenant, mon texte web côté client, il est à droite. Mais on va regarder le design. Si on regarde le design, je vois qu'il y a de l'espace à côté, à droite du texte. Donc, ok, c'est sur les contours du texte à droite. On a appris la propriété margin qui permet d'ajouter de l'espace sur les contours. Et l'espace, je vais l'ajouter à droite, n'est-ce pas? Je vais l'ajouter à droite. Donc droite, ça veut dire en anglais right. Ok, right. Je vais ajouter l'espace. Par exemple, je vais mettre 40 pixels, une valeur avec l'unité pixel. All right, j'actualise. Voilà, maintenant j'ai mon espace. Ok, là j'ai terminé mon header. Header, c'est la partie qui est sur la c'est le bas de page, c'est pour footer, c'est footer, l'élément footer. Maintenant le haut de la page,
c'est la partie header, c'est-à-dire l'en-tête de la page. Ok, maintenant je regarde mon design, je vois que j'ai le logo maintenant, j'ai l'image, j'ai le texte web côté client. Maintenant je crois que je peux encore augmenter la taille du texte web côté client. Je peux augmenter sa taille, hein. Maintenant, pour augmenter la taille d'un texte, on utilise la propriété font size. Size qui veut dire taille. Hein? Font size. Font size. Par exemple, pourquoi ne pas dire 30 pixels pour voir ce que ça va nous donner. Ouh, ça va devenir beaucoup plus petit. Ok. Je vais augmenter ça. 40 pixels. Voilà, c'est beaucoup plus grand. Alors, je vais faire 45 pixels. Voilà. Very good. Awesome. Ok. Maintenant, vous voyez que la navigation. Ok. La navigation, je ne l'ai pas encore mis. Ok, la navigation, on le met avec la balise nav. Maintenant, à l'intérieur de la navigation, on met une liste. Une liste de liens. La liste est créée par la balise UL. Maintenant, les items, c'est-à-dire les items de la liste, c'est-à-dire les composants de la liste, on les met avec la balise LI. Ça veut dire list items. Le L c'est pour la liste, c'est pour liste, le I c'est pour items, les composants de la liste. Ok. Et là, vous voyez qu'on a introduction HTML, CSS, Bootstrap, TP final. Voilà. Mais avant d'écrire, parce que là c'est introduction, on doit mettre, n'est-ce pas, introduction. Ok. Mais le mot introduction, quand on va y cliquer, ça doit nous amener quelque part, c'est-à-dire sur la page introduction. Pour faire ça, il faut utiliser la balise A. La balise A qui veut dire anchor. Anchor, ça veut dire lien. Là, je vais mettre à l'intérieur introduction. Introduction. Et HRF, l'attribut HRF, c'est l'attribut qui va nous permettre de donner la page que le lien, c'est-à-dire le mot introduction, quand on y clique, là où ça doit nous mener. On doit le mettre dans c'est la valeur de l'attribut href. Par exemple, si ça m'amène dans une page qu'on appelle introduction .html, je l'écris comme ça, je donne le nom de la page et l'extension. Mais comme que notre site il a une seule page du moins, on met dièse pour que ça, quand on y clique, ça va nulle part, ça reste toujours sur la page. Ok, maintenant je vais copier coller, je vais dupliquer ce code. Je vais copier coller ce code pour pouvoir afficher les autres. Après, on a HTML après. HTML. Ok, après le HTML, qu'est-ce qu'on a? On a CSS. CSS. Après CSS, il y a Bootstrap.
écrit Bootstrap. 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 Ok. Pour le Bootstrap, on a TP final. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur TP final? Ok, j'actualise ma page et vous voyez, on a ça. On a une liste, ok? Une liste de mots là. Mais vous voyez que là, on n'a pas vraiment ce qu'on l'on veut. Ah, ce qu'on l'on veut, on l'a pas encore. Ok? D'abord, vous voyez que là, c'est horizontal, il y a de l'espace, les list items ou bien les composants de la liste, ils sont sur une ligne, là ils sont sur plusieurs lignes verticales. Okay, d'abord il faut donc changer l'apparence ou bien la présentation de notre liste. Ok, d'abord ce qu'on va faire, c'est-à-dire l'introduction, ça, ils sont dans la, ce sont des list items, ce sont des composants de la liste, n'est-ce pas? Pour les identifier tous ensemble, je peux utiliser le nom de la balise. Voilà, je peux utiliser le nom de la balise. Quand j'utilise li, donc j'identifie introduction, j'identifie html, j'identifie css, j'identifie bootstrap, j'identifie tp final, parce que tous ce sont des li, parce qu'ils sont à l'intérieur des li. Ok, quand les contenus qui sont à l'intérieur des balises, pour les identifier, on peut utiliser sa balise. Ça veut dire quand introduction, il est à l'intérieur de A, il est à l'intérieur de LI. Pour l'identifier, il est à l'intérieur aussi de UL, de NEV. Ok, pour les identifier, on peut utiliser les noms de balises. Ok, dans les noms de balises où ils se trouvent à l'intérieur, quoi. Ok, les composants de la liste se trouvent sur la balise A, sur la balise LI aussi. Mais là, je vais utiliser LI. Ok? Je vais utiliser LI. Ok, maintenant, je veux changer l'apparence, c'est-à-dire, ils sont sur plusieurs lignes verticalement, je vais les mettre sur une ligne et horizontalement. Ok, et pour faire ça, je les ai identifiés en utilisant le nom de la balise où ils sont à l'intérieur, c'est-à-dire la balise LI. Maintenant, j'utilise la propriété display avec sa valeur inline block pour les mettre sur une ligne. Ok, j'actualise. Voilà, vous voyez, on a ce qu'on veut. Ok. Et maintenant, vous voyez que ils sont au milieu de la ligne. Et on avait vu une propriété tout à l'heure qui permet d'aligner une texte au milieu. Et c'est bon, on avait aligné ça à droite, je me rappelle, avec le web côté client. Maintenant, pour aligner ça au milieu, il faut encore utiliser la propriété text align, ok, mais avec la valeur center qui veut dire au milieu, center qui veut dire au milieu. Ok, maintenant ok, c'est pas, il faut pas faire ça ici. Je fais erreur, il faut pas mettre ça sur le LI. Il faut mettre ça, c'est ça qu'on veut aligner, c'est ça qu'on veut mettre au centre. Ok,
C'est ça qu'on va mettre au centre. Donc, on va utiliser la balise, cette balise, la balise UL. Les LI, ils sont tous à l'intérieur de la balise UL, unordered list, c'est-à-dire liste non ordonnée. OK, on va appliquer la poupée de CSS sur le UL. Je peux utiliser directement le nom de la balise parce que les LI sont à l'intérieur de UL. Je peux l'utiliser directement parce que je vois pas d'autres UL pour l'instant. Donc, quand j'utilise le nom de le nom de la balise, il n'y aura pas d'ambiguïté puisqu'on a un seul UL. Et je veux utiliser cette propriété sur cette seule UL. Alors, je fais text align, qui veut dire aligner le texte. Maintenant, au milieu avec la valeur center. Alright. Et ça devrait marcher. Voilà. C'est au milieu. OK. Maintenant, vous voyez que les composants de la liste ou bien les listes items, ils sont espacés. Hein? Ouais, hein? Il y a de l'espace. OK. Et pour faire de l'espace, je vais appliquer sur les LI. Bon, parce que ce sont les contours des composants, pas le UL. Pas le UL, mais ce sont les contours des LI qui a de l'espace, qu'on doit mettre de l'espace. Je vais mettre là-bas margin. Je vais mettre de l'espace à droite, de l'espace à gauche. Comme vous le voyez, il y a de l'espace à droite, de l'espace à gauche. C'est ça que je vais faire. Hein? Ok, je mets de l'espace à droite. Non, ça c'est de l'espace à gauche. Left, ça veut dire gauche. Je vais mettre 20 pixels. Ok. J'essaie de créer la page de la manière la plus facile possible en utilisant que des propriétés CSS faciles sans entrer dans du CSS compliqué, c'est-à-dire d'utiliser les systèmes comme Flexbox, comme comment dirais-je, l'autre grid. Ne pas utiliser grid, je me limite simplement aux propriétés CSS de base pour créer la page parce que c'est un cours pour permettre d'accueillir les bases de HTML et CSS. Je vais mettre 20 pixels. Voilà, j'ai de l'espace, je peux même augmenter encore l'espace. Hein. Mettre 40. 50 et là, voyons voir ce que ça va donner. 50, ah, pas mal. Ok, je me dirais que je peux encore augmenter. Je mets ça. Non, il n'y a pas de yok de yok de dem rek de. Il n'y a pas de yok de dem rek. Ah, je crois que c'est bon. Maintenant, on peut s'arrêter là. Ok. On peut vraiment s'arrêter là. Maintenant que je crois que les gars, il me faut la couleur rose. Hein? Il me faut la couleur rose. Et cette couleur rose, elle est derrière les composants de la liste. C'est-à-dire derrière la liste. La liste est créée avec l'élément UL, un order list. Maintenant, les composants sont créés avec l'élément HTML LI. Ok? Et on a pris la liste, on l'a mis dans l'élément HTML nav qui permet de créer une navigation. On l'utilise pour créer une navigation. Ok, maintenant il me faut la couleur, cette couleur. Maintenant je vais vous montrer comment on récupère une couleur là, parce que là j'ai pas la couleur. Je vais utiliser un capture d'écran.
le logiciel outil capture d'écran. Là, j'ai fait nouveau et j'encadre une partie de l'image où j'ai la couleur. J'enregistre ça quelque part. J'enregistre ça sur mon bureau. Ok. Et là, maintenant, je vais retourner. Voilà la capture. Ah, ne pas l'ouvrir. Je vais faire clic droit et faire ouvrir avec Paint, le logiciel Paint. Ok. Maintenant, après avoir ouvert ça avec le logiciel Paint, je clique ici, sur ce truc bizarre-là, sélecteur de couleur. Je clique là-bas et là, encore, je reviens sur l'image où il y a la couleur que je veux. Je clique là-bas et là, je clique ensuite pour terminer, modifier les couleurs. Et là, je vais utiliser ces valeurs. En CSS, la couleur est représentée par la quantité de rouge, vert, bleu. C'est bizarre. Au lieu de dire simplement white, c'est-à-dire on peut donner le nom de la couleur, mais aussi il y a une autre façon de représenter les couleurs en CSS, c'est-à-dire en utilisant toujours la trois couleurs pour représenter une seule couleur. C'est-à-dire les trois couleurs sont toujours rouge, vert, bleu. Il y a une quantité de rouge, une quantité de vert, une quantité de bleu pour pouvoir identifier une couleur. Ainsi, cette couleur-là, pink, est identifiée, bien, est représentée en utilisant les trois couleurs rouge, vert, bleu, avec ces valeurs. Hein. Et c'est ça qu'on va utiliser. OK? Et la couleur, sur le design, la couleur, il est en arrière, il est derrière les composants. OK? Il est en arrière-plan. Et les composants sont les composants de la liste sont dans l'élément UL. L'élément UL est dans l'élément nav, c'est-à-dire la navigation. Donc je vais mettre là-bas, je vais mettre la couleur dans nav. Il n'y a qu'un seul nav. Hein. Quand je dis nav, il s'agit d'un seul nav qui est sur la page HTML. Ok. Maintenant, pour mettre une couleur en arrière-plan, on utilise la propriété CSS background color. Et là, je mets le R qui veut dire red, le G qui veut dire green, c'est-à-dire red, ça veut dire rouge. Le green, ça veut dire vert avec le G. Et le B, en anglais blue, qui veut dire bleu. Comme je l'avais dit, une couleur peut être représentée par la quantité de rouge, quantité de vert et quantité de bleu. Maintenant, je retourne sur Paint. Je regarde les valeurs rouge, red. On en a 219, 200 and 19, comment? C'était pas là, voilà. Après, on a vert, green, 161, 161. Maintenant, la dernière couleur, c'est le bleu, blue. Le B. Encore, 219. 219. Et vous voyez que la couleur est apparaît maintenant. Ok. Voilà. Maintenant, je vais aller actualiser ma page. Et voilà. Maintenant, j'ai ma couleur. Hein. J'ai ma couleur. Mais comme vous voyez là. Vous voyez que
que le texte, la couleur des composants de la liste sont bleus. Alors que nous, on a des list items qui sont white. They're white, not blue. Ok? Donc, pour faire ça, on va changer les couleurs. Maintenant, ici, au lieu de prendre LI et le A, je vais prendre le A pour changer cette couleur. Parce que quand tu utilises LI, ça ne va pas marcher. Il faut utiliser un A. Il faut utiliser les A. Parce que les composants de la liste sont aussi dans le A. Okay. C'est toujours, il faut regarder l'élément HTML qui vous permettra de faire ce que vous voulez. Si vous utilisez LI, ça ne marche pas, donc utilisez A parce que les composants sont dans A et aussi dans LI. Okay. Maintenant, la couleur là, couleur, je peux utiliser directement le nom de la couleur parce que je sais le nom de la couleur, c'est du white, blanc. Ok, j'ai pas besoin d'utiliser RGB et voilà, c'est blanc. Maintenant, ça m'a gagné d'ailleurs. Underline, they are underlined. Ok, ça arrive, ils sont soulignés. Il faut éliminer ça et pour éliminer ça. Il faut utiliser la propriété de CSS Text Decoration. Par exemple, Text Decoration avec la valeur None. None, ça veut dire rien. Ça veut dire il n'y a pas de décoration du texte. Et là, vous voyez que ça me gagne disparaître tenir. Ok, vous voyez que les soulignements sont disparus. Ok. C'est grâce à la propriété Text Decoration. Si si je supprime la valeur non de Text Decoration et que je mets là-bas underline, ok, underline, vous voyez, le soulignement va revenir. Voilà, comme vous voyez, le soulignement est revenu, ok. La valeur underline, ça permet de souligner. Maintenant, la valeur non permet d'éliminer les soulignements. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Voilà. Bon. Apparence, présentation, ça reste parce qu'il y a de l'espace en haut, il y a de l'espace en bas. Ok. Et je vais utiliser margin encore pour ajouter de l'espace. Margin. Top 1. Ajouter de l'espace, par exemple, je vais mettre 70. Ah, non, je vais mettre 20 pixels. Voilà, et maintenant, 20 pixels Bernard. Je vais mettre 10, je vais mettre ça en haut. Ok. Voilà, il y a de l'espace en haut. Maintenant, je vais ajouter de l'espace en bas. Espace sur les contours en bas. Margin, toujours pour l'espace. Maintenant, en bas, ça veut dire bottom en anglais. Bottom, bottom, bottom. Bottom, bottom. Et je vais ajouter encore 10, 10 pixels. Ok. Voilà, super. Super, super, super. Les gars, je crois qu'on a notre. Qu'on a vraiment en tête de progresser. On progresse vraiment. Well done. Well done. On a le menu, c'est-à-dire la navigation. On a le header. Ok, maintenant en bas, on a un texte bienvenue sur le cours web côté client. Ok, et vous voyez que ça, c'est beautiful. Hein? C'est vraiment joli. Ok, et là, donc je vais mettre le texte. Bienvenue sur le cours web côté client. Ok, vous voyez que ça c'est en gras. Le texte est en gras. Bon, il y a un élément
Un élément HTML, bienvenue sur le cours web côté client. Et les titres, les H sont toujours en gras. Ok, donc je vais utiliser. Voilà, on n'est plus sur le menu navigation. Maintenant, on entre dans le développement. Le développement, c'est main. Ok, maintenant je vais utiliser un H2. Pour représenter le texte. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui? Bienvenue sur le cours. C'est quoi l'autre cours? Quoi ça? Le cours web côté client. Ok. Sur le cours web côté client. Ok. Oups. Sur le cours web. Bon, je crois qu'il nous fait un W majuscule, ok. Majuscule. Web. Côté. Oups. Excuse, hein. It's late at night, I'm a little bit tired. Web côté client. Ok. Regarde le design, il y a un exclamation mark aussi. Voilà notre forme exclamation mark. Il y a de l'espace. Hein. Voilà. Je vais actualiser ma page. Ok. Pour voir ce que va me donner, voilà, j'ai bienvenue sur le cours web côté client. Ok, super. Maintenant qu'il y a un petit souci, regardez le design, il est au milieu. Il est au milieu. Ok, ça y est, au milieu. Bon, je vais aligner ça au milieu. Donc, pour faire ça, je vais toujours aller sur mon CSS. Le texte. Bienvenue sur mon cours, sur le cours web côté client, il est dans du H2. Donc il y a un seul H2. Donc il n'y a pas d'ambiguïté si j'utilise ça pour l'identifier. Ok. Là j'utilise la propriété align. Align items. Non, dommage. Sorry, I'm sorry. Text align. And quelle valeur? C'est au milieu, donc la valeur center. Alright. J'actualise, voilà, j'ai ça, mais c'est trop collé, hein. C'est trop collé à la menu navigation. Donc je vais mettre de l'espace un peu, mais de l'espace, je l'ajoute en haut avec la propriété margin top. Top, ça veut dire en haut. Et là, je donne la valeur comme 20 pixels. Alright. Voilà. 20 pixels. Super, hein? Je crois que ça m'a texte bienvenue sur le cours web côté client. C'est un peu trop gros là. Ok. Au lieu d'utiliser un H2, je vais utiliser un H3 pour diminuer un peu la taille. H3 est plus, la taille des H3 c'est beaucoup plus petit que les H2. Ok, diminuer un petit peu la taille. Voilà, bienvenue sur le cours web côté client. Ok, maintenant j'ai le texte qui me reste, ce sont mes fameux, comment dirais-je, ma fameuse boîte là, avec à chaque boîte il y a une image, il y a un texte, ok, et qui est un petit titre, et après on a une description, et c'est le même modèle, hein. Ils ont tous le même modèle, c'est simplement le titre et le texte de description qui changent, et l'image, hein. Donc, si je crée Ben, je peux créer d'autres en changeant simplement l'image, le titre et la description. Ok. D'abord, je vais créer la boîte.
D'abord, je vais créer la boîte. Ok. Pour créer la boîte, je vais utiliser. Pour créer la boîte, je vais utiliser. Bon, je vais utiliser un élément HTML qu'on appelle div. Div, c'est un élément HTML qui permet de regrouper en un seul bloc des éléments. Parce qu'on veut regrouper en un seul bloc une image, un titre et une description. J'utilise maintenant le div. Ok. Et je vais identifier ça et donner ça, par exemple, je vais appeler ça cours, hein, parce que je vais donner ça une classe, je vais pas utiliser ID, parce que quand j'utilise ID, je ne peux pas utiliser le nom de l'ID sur un autre élément, ok, parce que les ID sont uniques. Je vais mettre cours, courses. Ok, je vais donner une certaine taille. Bon, les ID ça commence par un dièse, mais les classes ça commence par un point. Ok, et maintenant suivi du nom de la classe. Ah, maintenant, oh. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donner une hauteur et une longueur pour avoir ces carrés ou bien ces boîtes. Je vais donner ça. Et la longueur, c'est fait avec du width. Je vais donner 100 pixels pour le width. Pour la longueur, maintenant pour la hauteur, donnons par exemple un 300 pixels, c'est ok. On voit. Ah, d'accord. Et aussi, j'ai oublié, j'ai donné une taille. Hein. Maintenant, pour faire. Parce que vous voyez que. Il y a des. Comment on appelle ça? Les contours des boîtes sont. Il y a des contours des boîtes qui sont. Qui apparaît quoi, c'est délimiter le périmètre quoi, le périmètre des boîtes là, c'est il y a un trait qui apparaît qui entoure la boîte ou bien le carré ou bien le box. Ok. Et pour faire ça, on utilise la propriété board. Ok. La propriété board est là. Y a, la première valeur, c'est la. C'est ça qu'on appelle le board width. La longueur de la bordure. Voilà. Voilà le mot qui m'échappait, c'est bordure. Les boîtes, les bordures des boîtes apparaissent, ok? Les boîtes ou bien des carrés, je sais pas moi, ils apparaissent. Maintenant, la première valeur, c'est la taille de la bordure, ok? Et la deuxième valeur, c'est la couleur. Par exemple, là, on va mettre black pour l'instant, hein? Ok, la dernière valeur, c'est le style de la bordure. Je vais mettre solide. C'est-à-dire, solide, cela veut dire que on va avoir un trait contenu, quoi, un trait normal. Et là, vous voyez, vous allez voir, voilà. Là, j'ai ma boîte, non? Mais attends, je vais te donner. Là, vous voyez que vous pouvez pas voir ça, la bordure, elle est trop collée. J'ai trop créé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas assez d'espace quoi. Vous voyez que je vais augmenter l'espace en bas, c'est-à-dire le développement. Je vais augmenter la hauteur de main. La hauteur de main, je vais la balise main. Après le header et la navigation, on a
On a la balise main. Je vais donner une hauteur à la balise main pour avoir assez d'espace. Parce que là, il n'y a pas assez d'espace en bas. Comme vous voyez, je ne peux pas redescendre. Et l'espace blanche là, ce qui apparaît en blanc là, c'est le main. Hein, c'est l'élément main. Parce que l'espace, la couleur pink, c'est la navigation. La navigation. Et l'image. L'image et le logo et le texte webcode client, ils sont à l'intérieur de header. Ok, je vais augmenter main, je vais donner ça une hauteur par exemple. La hauteur c'est fait avec height. Ok, je vais donner un height de 500 pixels pour voir. Voilà, comme vous voyez, il y a de l'espace maintenant. Ok. J'ai augmenté la hauteur de la partie blanche là. Et la partie blanche de la page, c'est le main. Ok. Maintenant, vous voyez que je vais pousser un petit peu la boîte. Ou bien est-ce que je vais pousser ça à droite? Ouais, je vais pousser ça à droite un petit peu. Je vais ajouter de l'espace à gauche de la boîte, ou bien de carré, je sais pas moi. Disons une boîte maintenant. La boîte est identifiée par la classe cours. Ok, cours. Je vais ajouter. Je vais ajouter de l'espace à gauche pour le décaler quoi. Margin left. Disons ça, 14 pixels. Voilà, décaler ça comme ça. La boîte elle est trop grande, hein. La hauteur c'est trop là. Ok, la hauteur c'est trop. Je vais faire 50. La hauteur c'est trop, hein. Je vais diminuer la hauteur parce que là les hauteurs là vous voyez c'est moins que ça. 300 pixels c'est beaucoup. Pourquoi ne pas essayer de mettre 200 pixels pour voir ce que ça va donner. Oh, pas mal, hein? Bon, c'est pas mal, hein? Maintenant, la hauteur, c'est bon. Maintenant, on va augmenter la longueur. La longueur, c'est toujours le width. Je vais mettre 150 pixels. On va encore augmenter 180. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça, 180 pixels. 180 pixels que ça va nous donner. Je crois que je vais encore augmenter un petit peu. Bien, c'est bon. On augmente un petit peu. Par exemple, on va faire 210 ici et là 190. Quoi que c'est pas bon. 195. Et là, 200. On va essayer avec ça. Ah, putain, c'est pas mal, hein. J'augmente encore là. Je vais encore augmenter la longueur. Je vais mettre du 210 pour voir maintenant. Alors, je crois que le 210 est beaucoup plus bon. Là. Ok. Je vais laisser ça, le 210. Maintenant, le texte bienvenue et la boîte sont trop collées. Hein.
Je vais ajouter là-bas des lignes. Ajouter là-bas des lignes, quoi. De l'espace. Bien. On peut ajouter de l'espace avec CSS, avec la balise BR, qui veut dire break line. Ok. Ça y est, où ça? Le texte bien devenu, ouais, il est là. Et voici la box. Je vais mettre s'indiquer combien de lignes. BR, ça veut dire une ligne. Je vais ajouter deux lignes. Deux lignes, des lignes vides, quoi. Des lignes vides de l'espace. Voilà. Ouais, ça devient de l'espace blanche. Ok. Je vais ajouter encore une autre espace vide, une autre ligne vide. Bien, créer une nouvelle ligne là-bas. Il va devenir un espace blanche après. Ça permet de ne pas utiliser CSS tout le temps, tout le temps. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser CSS parce qu'on peut mettre margin top ou margin bottom. Vous faites que c'est les boîtes, on met du margin top, mettre de l'espace en haut. Bien, vous faites que là, utiliser le texte bienvenue, tu mets là-bas, margin bottom de l'espace. Mais on peut utiliser HTML avec la balise BR et ajouter de l'espace taf taf sans utiliser du CSS. Ok. Maintenant, j'ai ma boîte. À l'intérieur de la boîte, il y a d'abord il y a une image. Ok. Il y a une image. Et un texte, introduction et un titre et un texte et une description du cours. Parce que le titre, c'est le nom du cours, quoi. Et là, le texte qui est en bas, c'est une petite description du cours. Ok. Wow. Proposer une image en HTML, on utilise IMG. On utilise la balise IMG. Ok. Donc je mets l'élément IMG. Ok. Allez, maintenant je vais aller prendre l'image que je vais ajouter. Voilà l'image. Voilà l'image. Je vais mettre l'image. Le mot de c'est ça. Voilà. Je vais mettre là-bas l'image. Je regarde laptop, le nom de l'image c'est laptop. Je regarde l'extension c'est .jpeg. Ok. Et là je mets laptop. Intéressant. JPEG. Hein? Voilà, j'ai mis un laptop. Il y a l'image qui n'apparaît pas, donc il y a un problème avec l'image. Pourtant, j'ai fait sur laptop.jpg. Quand votre image fait ça, il y a un problème avec l'image. Et vous voyez que l'image n'apparaît pas, mais vous voyez que c'est le laptop qui apparaît. Et laptop, c'est Alt. Quand il y a un problème avec l'image, c'est Alt qui apparaît. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec mon image? Laptop. Ah. J'ai mis un O là-bas. Excusez-moi, c'est la fatigue. I'm so tired. It's very, very late. Aren't you good again? I night and it's very late. Voilà. Oh, l'image est très gros. Hein? C'est une très très grande image. Il va falloir diminuer l'image parce que l'image est très 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 grande. Deux. Ok. On a d'abord. Je vais identifier l'image, diminuer et donner ça une taille. Et
La taille, c'est qu'on donne une taille toujours avec width et height. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier l'image. Ou bien, j'ai combien d'images là? Ah, je vais mettre classe. Une attribut classe. Parce que on a d'autres images dedans. Dans les boîtes, il y a d'autres boîtes et d'autres images. Je vais utiliser la même classe pour les autres boxes, pour les autres boîtes, pour les autres images. Okay. Maintenant, je mets quoi comme nom de classe? Pourquoi pas image court? Ouf. Image court. Je mets mon petit point là parce que il s'agit d'une classe. Les classes, les noms des classes, on les précède toujours avec un dot, c'est-à-dire un point. Je donne un width, c'est-à-dire une longueur à mon image. C'est comme ça qu'on donne une taille. Bon, par exemple, je vais dire 50 ou 500, non, 50 pixels. Et là, pour la hauteur, je vais dire height, pourquoi pas 30. Oh, ça c'est trop petit. Regardez la différence. Oh là là, c'est trop petit. That's so funny. 150. Et là, par exemple, pourquoi pas 80 pixels. Voilà. Et comme vous voyez là, il faut que l'image, quand je fais comme ça, quand je veux que l'image occupe toute la longueur de la boîte. Et toute la longueur de la boîte, il ne faut pas utiliser l'unité pixel, mais utiliser pourcentage et dire 100% de la longueur. Et cette image, il est à l'intérieur, il est à l'intérieur du div. Quand tu fais 100%, il va prendre 100% de la longueur du div. C'est comme ça que les pourcentages marchent. Okay. C'est différent des unités pixels. Okay. Voilà, comme vous voyez, ça prend 100% de la longueur du div. Ok. Je vais augmenter la taille un petit peu, la hauteur, seulement un petit peu la hauteur. Pourquoi pas mettre 100, 100 pour la hauteur. Ok, je crois que c'est bon. Je peux même augmenter encore, hein. On dirait que je peux même augmenter encore, hein. Pourquoi pas 120 pixels. Voilà. Maintenant j'ai l'image. Il me reste maintenant le petit titre, quoi, le titre de la leçon, le titre du cours. Et les titres, on les fait avec un H. Mais si j'utilise le titre du cours, c'est de petite taille. Hein? Et le plus petit des H de la taille, c'est H6. Je vais utiliser un H pour voir ce que ça va donner. Et on a quoi là? On a introduction. J'écris introduction là. Voilà, vous voyez, on a introduction. Ok. C'est trop petit. Hein? Je vais essayer de mettre un H5. Un H6, c'est trop petit, c'est trop petit. Le H5, c'est bon, hein. Mais vous voyez aussi encore entre l'image et le titre de la leçon, il y a de l'espace. Et je vais ajouter cet espace avec un break line, c'est-à-dire une ligne vide qui va devenir un espace blanche. Ajouter une ligne vide entre les deux. Je crois que ça ne marche pas.
La ligne vide ne marche pas. Oh là là, c'est dommage. Bien. Mais c'est là où je l'ai placé. Pourtant, je l'ai bien placé. La ligne vide ne marche pas. Donc, je vais obliger d'utiliser CSS. Oh là là, monsieur CSS. Bon, essayons de faire un. Donc, en bas de l'image, mettre un margin bottom. Bottom, ça veut dire en bas. En anglais. Oh, l'anglais. Margin bottom et mettre un 5 pixels. 5 pixels. 5 pixels. Alright, let me see what we got. Ah, il y a de l'espace maintenant. Bon, je vais augmenter encore. Hein. And gives a double. Doubles this value. 2 times 5 gives us 10 pixels. And we're gonna get what we're gonna get. Oh, no, that's great, huh? See, that's fine. Awesome. Mais je dois avoir ça à la ligne aussi. Hein? Je vais mettre ça, aligner ça à la ligne avec la propriété CSS text align. Ok, et là, center. Je vais dire mettre ça à la ligne. J'actualise. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça? Image cool. Ok, non, je suis sur image cool. Erreur de ma part. That's my bad. My bad, my bad. Parce que le titre, ce sont des. C'est le, on a fait les titres du coup avec la balise HTML H5. Donc, quand je fais un texte, quand je veux aligner ce titre, il faut identifier l'élément. Parce que introduction, le titre, introduction de la qui est le titre du coup, il est dans l'élément HTML H5. Okay? Donc, pour aligner ça au milieu, il faut l'identifier. Identifier la balise où il se trouve. Et la balise où il se trouve, c'est un H5. Il y a un, maintenant, je mets là-bas, j'applique la propriété texte align. Oh, I'm sorry, as I said, I'm so tired. That's why I'm making this mistake. Due to the pain, I'm exhausted. Oh, God. Center. Qui veut dire au centre. All right, what we got? Yeah, c'est maintenant c'est au milieu. Il y a une autre chose. Hein. On a un background, une couleur arrière-plan pink, comme la couleur là. Ok. D'abord, je vais donner une taille, c'est-à-dire comme j'ai fait avec l'image, je vais ajouter un width 100%. Si je ne l'ajoute pas, je vais pas pouvoir faire un background rose qui va être sur toute la longueur. Parce que regardez ici la couleur background, il est sur toute la longueur de la box ou bien de la boîte. Ok, et donc l'introduction c'est l'élément H5, donc il faut que l'élément HTML occupe toute la longueur de la boîte ou bien du box, et là après donner ça une couleur pink. Ok, background color. Maintenant H5 occupe toute la longueur de la page, il suffit simplement de mettre une couleur arrière-plan, parce que background ça veut dire arrière-plan et color veut dire couleur, et reprendre notre fameuse couleur. Yep, voilà, et ça nous donne ce qu'on cherchait. Là, il nous reste qu'un seul la description, il nous reste simplement la description du cours. Ok, le texte qui est en bas, c'est la description du cours. Maintenant, ce texte, je vais mettre ça sur un paragraphe. L'élément P, la balise P, qui me permet de mettre un paragraphe.
Qu'est-ce que j'ai sur introduction au développement web client? J'écris ça, hein. Introduction au développement. Web côté. Introduction au développement web côté client. Il y a un point. Voilà, je crois. On va voir ce que ça donne. C'est pas la même chose qu'on a. Hein. Je vois que c'est aligné au milieu parce que le texte à côté, la côté. Right, les côtés right and left du texte descriptif du cours, il y a de l'espace, hein, et la taille de la texte is very small, ok, très petit, alright. So je dois faire des ajustements sur la présentation du texte là, ok. La taille est premièrement la texte, le texte, oh I'm so sorry, le texte est de petite taille, ok. D'abord, je vais, pour appliquer une propre CSS, je vais identifier le texte introduction au développement. Je vais donner, pour l'identifier, je vais mettre l'attribut classe. Et là, je mets comme nom de classe, nom de la classe texte descriptif. Descriptif. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Texte descriptif. Descriptif, c'est ce nom là. Je vais utiliser ça pour, c'est une classe toujours, le point dot and followed by the name of the class and we add the curly braces, ok. Maintenant ce qui reste à faire, ce sont les propriétés, ok. Maintenant, pour, comme on l'a déjà dit, pour donner un taille, bon, je crois qu'on l'a pas, non, si, on l'a déjà fait. On utilise la propriété CSS font size. Size veut dire taille et font, ça parle du texte. Font size, ok, text taille. Je vais donner ça par exemple, pourquoi pas. Bon, font size, on peut utiliser aussi des noms, hein. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des valeurs, on peut utiliser des valeurs comme on peut utiliser des noms. Par exemple, je veux que ça soit petit. Et petit en anglais, ça veut dire small. C'est possible d'utiliser les mots small, comme vous le voyez, small, x dash, ou hyphen. XX hyphen small là. Small, beaucoup plus petit. Ça dit small, c'est petit. Small, c'est encore plus petit. X hyphen small, c'est encore plus petit. XX double X hyphen small, c'est encore petit. Moi, je vais utiliser small, hein. Guys. Utiliser small pour voir ce que ça va donner. Pas mal, hein? Mais je crois que je vais encore utiliser small pour voir ce que ça va donner. Small, ok, pourtant c'est pas mal. Small, pourquoi pas utiliser xx hyphen xx tiré small. Ah, là c'est bon. Je mets le texte descriptif en ligne. Texte descriptif en ligne. What's going on? I want text align. Aligné texte. Texte aligné. Centre. Ça y est, au centre. Mais il y a un autre problème. J'ai besoin d'espace. Hein? Je ne vais pas ajouter cet espace avec CSS.
Je vais ajouter ça avec Mr. Breakline. Ajouter des lignes vides en haut. Ça, c'est une ligne vide. Je vais ajouter encore une autre ligne vide qui va devenir une espace blanche. Trois fois. Je me demande si ça va. Ah, oh, c'est de trop. C'est de trop. Je me disais que là. Je vais enlever un break line. Ah, c'est pas mal. Ok, je vais enlever le deuxième break line. Et c'est un seul break line. Alright. Voilà. Nickel, hein? Je crois que je vais devenir. Je vais diminuer la taille de ma boîte. La hauteur, je vais diminuer un peu. Ouais, la boîte, ça rend une image courte. J'ai dit ça court. Pourquoi j'ai dit ça court? Je vais mettre sa boîte, quoi. Changer. Moi, je mets classe court. Je vais mettre classe boîte. Oh là là, je m'excuse, hein. J'ai pas mal choisi. J'ai pas bien choisi le nom là. Parce que là, c'est la boîte. Tu dois mettre là-bas. Boîte. Désolé, hein. My bad. Maintenant, la hauteur de la boîte, je vais diminuer ça un petit peu. Mettre 190. Let me see what we got now. Voilà. Perfect. That's perfect, right? Ok. Maintenant. Maintenant. Bon, je vais faire. Les autres. C'est toujours la même chose, hein? Parce qu'avec le avec le cours HTML, c'est l'image vont changer, c'est l'image qui change et aussi la description. Mais on a toujours la même boîte. Et vous savez quoi? Je vais ajouter d'autres boîtes avec le même code. Ok? Comme vous voyez. Oh, ok. Mais là, je vais maintenant changer l'image. Ce n'est plus introduction. Non, on va devoir changer l'image. Ah, je vais aller prendre l'image HTML. Où est-il ça? HTML5. Bon, maintenant. Officials, petite icône, grande icône, voilà. Maintenant, voilà l'image que je viens d'ajouter. Vous le voyez là, c'est-à-dire quand vous êtes sur VS Code, au lieu de faire clic droit pour trouver les extensions, vous avez directement à côté les extensions .png, PNG, et le nom c'est HTML5. Qu'est-ce que je dis? PNG. PNG et là je mets HTML5, voilà, c'est là, je clique et là je donne comme alt description de l'image, je mets HTML5. Je n'ai pas dû d'amener la classe là. Ok, et là je change le titre de la leçon. Là, c'est la leçon et je mets right. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon clavier là? HTML5. Comment ils ont écrit ça? Ouais, je me perds vraiment avec le clavier maintenant. Ah, ils ont simplement mis HTML. Ok. Et qu'est-ce que j'ai mis comme description du cours? Le langage HTML5. Ah, c'est là-bas qu'ils ont mis le langage HTML5. Alright. Où est la description, ça? Ah, c'est là.
le langage HTML5. Le langage HTML. Ok, ils actualisent la page. Voilà. Oh. Il y a tout un tas de qui n'est pas normal. Ok. Ce qui manque, c'est la classe image cool. Ah, c'est tout de le supprimer tout à l'heure, hein, désolé. C'est lorsque je faisais, c'est ça qui manque. C'est lorsque je faisais, je donnais le nom, lorsque j'étais en train de donner le nom de l'attribut alt, c'est là que j'ai supprimé classe sans m'en rendre compte. Ah, là, je suis vraiment fatigué. Voilà. Maintenant, j'ajoute. Tu veux ajouter ce, quel est le cours qui suit? La boîte suivante, c'est la boîte pour le cours CSS. CSS, oui. Le langage CSS, oui. Bon, je copie le code de ma boîte. Je vais réutiliser les boîtes, jusqu'à terminer toutes mes boîtes. Maintenant, non, je vais aller d'abord prendre l'image CSS, là, voilà. CSS 3. Ah non, 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 pas couper, copier. Ah, lui, le dossier, mon premier, c'est collé. Et là, je vais sur VS Code. Maintenant, je change, voilà l'image, hein. Ça revient ici sur VS Code directement. C'est CSS3 comme nom et l'extension c'est .png. Donc j'ai déjà un .png. Je mets simplement CSS3. Alright. Aïe aïe aïe. Ça y est là. Et là, alt. Je mets Mr. CSS3. C'est le CSS, oui. Alright. Le langage CSS. What did they say? My design. Ah, le langage CSS, oui. Le langage CSS, oui. Good. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. La hauteur de mon main, il faut que je l'augmente parce que là, je suis arrivé à la fin de la hauteur. Hein. Je suis arrivé encore au bottom de, au bottom de l'élément main parce que là, en bas, j'ai plus d'espace, c'est-à-dire j'ai atteint la hauteur. La hauteur que j'avais réservée pour la main, j'ai atteint la fin de l'hauteur. Je vais augmenter la hauteur et mettre par exemple 800 pixels. Ok, de l'élément main. Voilà. Après, je vais diminuer ça. Hein. Mais d'abord, je crois que je vais laisser au lieu de je vais laisser ça 500 pixels, hein, les gars. Je vais laisser ça 500 pixels. Et maintenant, comme que je voulais ajouter toutes les boîtes, après maintenant verticalement et après les mettre ça sur une ligne horizontalement, faire ça étape par étape. Mais je crois que avec la hauteur qui va augmenter, ça va causer problème. Donc, je vais directement mettre ça sur une ligne. Ok. Et on va utiliser la méthode qu'on avait utilisée avec le menu. Hein. La méthode qu'on avait utilisée avec le menu, on va faire la même chose.
C'était la poupée de CSS display inline box. Ok. Maintenant, c'est sur les boîtes là. Ok. C'est sur les boîtes. Où est la boîte? Voilà. Sur la boîte. Display inline block. Ah, it could work. It should work. Yes. Ok, vous voyez. Voilà. Ça marche, hein? Le langage CSS. Oh là là. Mr. Error là. Tellement vraiment ma Mr. Error. Sur le barreau. Quand on est fatigué, on fait vraiment beaucoup d'erreurs. Excusez-moi, c'est la fatigue. Hein. Ça, il fait nuit. Là, j'ai vraiment un sommeil. Le langage CSS. Ok, ça y est. Maintenant, il me reste la boîte Bootstrap. La boîte suivante, c'est la boîte Bootstrap. Bootstrap. Let's keep going. D'abord, je vais aller voir, je vais récupérer l'image d'abord. L'image Bootstrap. Copier. Et je vais copier ça sur mon site. Donc voilà. Ça va apparaître sur VS Code. Le voilà, bootstrap.png. Donc je remplace. Bon. Il est décrit en code, je vais copier colérec. Là, je commence à vraiment être fatigué. Je vais copier quand même, je vais garder. Utilisant source. Là, qu'est-ce que j'ai mis? Mes bootstrap comme description. Et là, j'écris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis eux? Ils ont mis bootstrap. Ok. Comme titre. Bootstrap. Comme description, je me garde le framework CSS. Okay, le framework, Mr. Framework Bootstrap. Alors, CSS 0. Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, j'ai le framework CSS. Là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, la next boîte. The next box is a box, TP final. Ok. C'est le cours TP final. Voilà. Comment c'est la dernière box, c'est la finale box. Ok, ça tombe bien. Je copie-coller mon code pour créer les box, les cours, les titres des cours et les descriptions. Je copie-colle ça. Là, maintenant, je repars prendre l'image. Bon, où est TP final? Il est là. Icon TP. Copier, we copy it and now I go to my website and paste it over there. Here it is, paste, go back to VS Code. Where is the name? Well, this is the name, yeah. Icon hyphen tp.png. And now the rename pour copier le nom. Et là, ici. L'attribut src et là l'attribut alt
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en TP final, je mets TP final. TP final, ok. Non, je vais aller actualiser ma page. Voilà, et là j'actualise vraiment la page. Ok. J'ai vraiment actualisé la page. Voilà ce que j'ai. Il y a une différence avec mon design et ma page. C'est ça mon design. Mon design et la page et ma page web, il y a une différence. Parce que les images Bootstrap, ça occupe presque tout mon espace, toute ma boîte. Alors, avec l'image TP, vous voyez que ça occupe toute la boîte. Alors que Niamh, c'est une image, ça n'occupe pas toujours toute la boîte. Parce que c'est moi qui ai fait width longueur 100% de l'image moteur. Ok, je vais diminuer. Au lieu de faire image courte, voilà, l'image du cours, j'ai fait 100%, 800%. Je vais enlever ce de 800%. Je peux après donner ça à 100 pixels. Par exemple. Alors, vous voyez que avec les 100 pixels, ça change le bas. L'image devient beaucoup plus petite, quoi. Et si je dois mettre ça, je dois mettre ça en ligne sur le milieu. Je dois mettre ça sur le milieu. D'accord, je vais aligner tout sur la ligne. Donc, je vais aller sur la boîte. Tout ce qui est dans la boîte, c'est l'image, le texte, le titre. Je vais aligner ça sur sur le milieu, sur le centre. Avec texte à la center. Voilà, c'est sur le centre. Ok. Maintenant, il y a une différence parce que là, ça marche pour les autres, mais pour Mister Image, même ça ne marche pas. Mister Image laptop, ordinateur, ça ne marche pas. Ok, il faut les propres CSS que j'ai appliqués pour l'image laptop, c'est-à-dire ordinateur, je ne peux pas appliquer les mêmes propriétés CSS avec les autres, quoi. Parce que les autres, non, ils n'ont pas de problème avec ces propriétés CSS. Donc, il faut que les propriétés CSS pour l'ordinateur utilisent des propriétés CSS différentes. Je dois changer la présentation. La présentation ordinateur, image ordinateur, bahul. C'est la présentation de l'image où on a l'ordinateur n'est pas du tout bonne. Ok, je dois modifier ça. Où est l'image ordinateur? Voilà. Voilà, laptop. Ordinateur, là voilà. Et propriété CSS que je vais utiliser, c'est image court. Bon, je vais. Cette propriété CSS ne m'arrange pas. Je vais faire un ID. Et là, je mets laptop. Comme je l'avais dit, l'attribut ID, ça permet d'identifier un élément de manière unique. J'identifie maintenant l'image laptop seulement parce que je veux appliquer sur cette image laptop des propriétés de CSS qui sont différentes des autres images de cours. Ok. J'ai mis le dot, après j'ai mis le nom de. Non, aïe, aïe, aïe. On n'est pas en classe. Là, je mets un hash sign, jsign, parce que là, on est avec un ID.
we work with an ID attribute. Là, je vais mettre width 100%. J'ai besoin de Mr. Width. C'est-à-dire la longueur de l'image. Je veux que ça occupe toute la longueur de la boîte. Et voilà. Ça y est. J'ai ce que je voulais. Hein? Voilà, mais maintenant voyons voir s'il y a une différence. Ok, c'est bon. Maintenant je crois que je vais diminuer la hauteur. Je vais diminuer un petit peu la hauteur. Hein. La hauteur de l'image, je vais diminuer ça un petit peu. Est-ce que la hauteur de l'image, c'est trop? Okay. Je suis en train d'écrire français, ça. Height. Je viens d'essayer en height 100 pixels pour voir ce que ça va donner. Ça change, hein? Là, c'est pas du tout bon. You start to have a problem. Okay, I know what to do. On va essayer de diminuer. Like, on va acheter un autre break. On va faire un autre margin. Du texte, du titre. Le titre se fait avec du H5. Ok, on va ajouter un petit peu d'espace en haut. Margin top, pourquoi pas un certain 10 pixels. On va voir ce que ça va donner. Ça fait descendre mais de trop. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Les ajustements là. Les ajustements là. Je fais un break line. Voilà. Oh, ça marche pas. Je vais tourner en arrière. Ok, je crois que je vais augmenter un petit peu la taille, donc la hauteur. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la hauteur des boîtes. Mettre par exemple 200 pixels. Voilà. L'ajustement, elle est bonne. Ok. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà sur la ligne, tout ça. Si on essaie de diminuer un petit peu la longueur des boîtes, si on essaie de diminuer un petit peu, par exemple, essayer de mettre 150, de voir ce que ça va nous donner. Oh là, le curseur est encore parti. 150 pixels, qu'est-ce que ça va nous donner? Oh là. Ça gâche le design. Ok.
essayer de laisser ça donc. Qu'est-ce qu'on avait 210 200. Voilà, 200 c'est bon. Ok, 200 c'est bon. Maintenant, on va mettre ça. 200 pixels c'est bon, mais il faut aligner ça sur, parce que les cours, les boîtes sont tous alignées sur la ligne. Ok, les boîtes sont tous alignées sur la ligne. Là mes boîtes là, où sont mes boîtes, voilà. Mes boîtes là, ils sont pas sur la ligne, hein. Ils sont pas alignés sur, bon, ils sont alignés sur le milieu, sur la centre, je voulais dire. Ils sont pas alignés sur la centre. Il faut que j'aligne ça sur la centre. Et pour faire ça, pour aligner ça, pour aligner toutes les boîtes sur la centre, je vais créer un autre div. Et regrouper les boîtes, toutes les boîtes, mettre ça à l'intérieur de cette division, donner ça comme ID avec le nom container. Ok, maintenant je vais prendre toutes les boîtes, mettre ça à l'intérieur de ce container. Voilà, ça se termine là. Ok, et là je mets ce copier-coller, voilà, je les ai tous mis là-bas. Ok, je veux mettre ça au milieu, quoi. Ok, maintenant je vais prendre le conteneur, la balise div avec le ID conteneur. Je mets les curly braces et là je mets un text align center pour aligner ça au milieu. Et vous voyez là c'est aligné au centre. Ok, c'est aligné au centre, mais on va aller voir un peu les boîtes. Les boîtes, où sont les boîtes, sûrement? Voilà, les boîtes, je vais mettre un margin left. Ok, regardez, je vais monter quand je supprime le margin left, c'est ce qu'on va avoir. Oh, voilà, quand je supprime le margin left, vous voyez que maintenant c'est vraiment au milieu. Ok, c'est vraiment au milieu. Et j'ai utilisé l'espace que j'avais mis à gauche des boîtes, j'ai supprimé ça. Ok, maintenant il faut que j'ajoute de l'espace, hein, parce que là il y a de l'espace. Mais là je vais pas ajouter simplement, je vais pas simplement faire du margin left, je vais faire du margin left et du margin right, ajouter de l'espace à gauche et ajouter aussi de l'espace à droite. Je vais retourner mon margin left, mais je vais encore ajouter du margin right. Maintenant, et diminuer ça, par exemple, pourquoi pas mettre 10 là. Et là, mettre 10. Ok, et ce que va nous donner ça, je peux augmenter encore. Hein. Mettre 15. Dans chaque côté, il y a le même. Même espace. C'est encore petit, hein. Je peux encore mettre 20, hein. Voilà, c'est bon, hein. Je vais laisser comme ça. Ok, 20 pixels, c'est bon. Ouf, that's tough, hein. Maintenant on a notre page. Et beautiful, ça nous reste maintenant le pied de page, la partie qui est en bas de la page qu'on appelle footer. Ok, il ne reste que le footer maintenant.
Oh là là, mais regarde devant, c'est joli, hein? C'est vraiment joli. Hein? C'est joli de. Ok? Même les images. Là, les images, ça, l'image HTML, CSS3, Bootstrap, TP final, cette image-là. Je vais supprimer les hide que je les ai donné là. Les images là. Parce que j'ai besoin simplement d'images with pour le cours, mais les autres, quoi, je vais les laisser. Aïe! J'avais oublié donc. Ah là là, on va retourner la taille. Oui, on retourne la taille. My bad. My mistake. Je vais retourner. Je croyais qu'il y avait des petites images. Oh. Désolé, je croyais que les images sont petites, mais on dirait que les images ne sont pas petites. Ce sont des grandes images. Parce que des fois, si l'image n'est pas grande, tu n'as pas besoin de donner une taille. C'est quand l'image est grande, comme lorsqu'on a ajouté l'image de laptop, l'image de l'ordinateur, c'était trop grand. Cette image est trop grande, c'est pourquoi on en a diminué. Mais des fois, il faut ajouter que l'image soit petite, que tu n'as pas besoin de diminuer la taille. Okay. Je croyais que ces images, les images de HTML5, l'image de CS3, Bossa et TP final, c'était des petites images. Quand on les voit là, quand tu les vois, en ce moment, tu crois qu'ils sont petits. Non, ils ne sont pas petits. C'est de très grandes images. Et il faut diminuer leur taille. Vous avez déjà vu comment ça s'est passé. J'ai enlevé la longueur et la hauteur des images. Et les images sont devenues très grandes. Ok. Maintenant, on va ajouter notre footer. Là, voilà notre footer. Ok. Et là, d'abord, il y a un seul footer par page HTML, donc je peux utiliser le nom de la balise pour l'identifier. Puisqu'il n'y aura pas d'ambiguïté, et on a un seul footer. Je vais le donner, je vais dire que la longueur, je veux que la longueur de footer, cet élément HTML occupe toute la page. C'est pourquoi je vais mettre 100%. Maintenant, pour la hauteur avec height, on va lui donner combien? Pourquoi ne pas donner 300 pixels? Et aussi, vous regardez, la couleur c'est pink. Je donne ça une couleur pink donc. Je donne ça une couleur pink. Et cette couleur c'est une couleur arrière-plan. Background veut dire arrière-plan. Et color qui veut dire couleur. Et je vais prendre mon pink. Je reprends le code de mon pink. Et ce qu'il va nous donner, ça. Oh, ouais. Voilà, ça y est, on est presque fini. Hein? Voilà. C'était vraiment trop. On a déjà fait 2 heures de temps. Ouais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ici, je vous félicite. Hein. Franchement, regardez la vidéo jusqu'ici, c'est vraiment trop courageux. Franchement, vous mettez des félicitations. Hein. Je vous félicite. Hein. Il reste simplement les photos. Il faut maintenant tenir. Il reste simplement photo quoi. Et cette petite partie qui nous reste, on termine notre page. Hein. Ok. Mes félicitations d'avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le footer? On regarde notre prototype ou bien notre design. Vous voyez que on a un texte recherché sur développeur. C'est donc ici developer.mozilla.org. Après, on a un formulaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ça? Ce truc là. Ok, on y va.
On va poser ça. Je peux utiliser un H6 pour le texte. Le chercher sur developer.mozilla.org. Après, on a un colon. Ok. Où est footer? Je mets un H6 pour représenter ce texte. Ok. Et c'est écrit rechercher. Je ne sais même pas si c'est avec un R majuscule. Hein. Ah, ouais, c'est avec un R majuscule. Rechercher sur développeur. J'ai mis développeur, mais finesse. Ah, ok. Développeur. Mozilla. Mozilla. Ah, la ZD. Mozilla.org. Ce qui me donne ça, voilà, mais le texte est blanc. Est-ce qu'on a un seul H6 sur la page? H5, H5, H6, voilà. Donc pour changer ce texte là, il est en noir, comme vous le voyez, il est en noir ici et ça doit être blanche. Je vais changer là, ça avec avec CSS. Le texte il est dans H6, donc et puisqu'il y a un seul H6, donc je peux utiliser le nom de la balise pour l'identifier. Et là, pour changer la couleur, je mets un color white. Hop, j'ai pas mis white. White, ça veut dire blanc. Et là, j'ai mon white. Ok. Mais le mot là, il est au milieu, mon. Et maintenant, c'est un qui, il n'est pas au milieu. En plus, je crois que mon texte est trop petit. Hein. Pourquoi ne pas utiliser un H4? Parce que mon texte là, il est petit. Voilà, un H4 certain. Maintenant, je vais mettre ça au centre avec la propriété text align. Text align now center as value, which is gonna align it on the center, look in the center. Okay, and now vous voyez que il y a de l'espace. Okay, il y a de l'espace avant le texte, il y a de l'espace, hein? Je vais essayer de faire cet espace avec break lines HTML pour voir ce que ça va donner. Ah, ça marche. Ok, j'ai mon espace. Ok, maintenant il me reste à maintenant. Maintenant, on a mis le titre recherché sur developer.mozilla.org. Maintenant, on met ça. On met cette image. Hein. On met ça. Hein. Ça, on met ça. C'est une image. On va utiliser. Voilà l'image. Ça, on le supprime. Supprime. Pourquoi lui, il est venu ça? Il est là. Il fait ce code là. Je n'ai pas remarqué ça. On va prendre cette image. L'image est là. Là, voilà l'image. Fond.
copier, coller. Utile la forme form of.jpg, là je l'ajoute hein. Form of.jpg avec un break line, je vais devoir mettre un break line. Maintenant ajouter img les gars form.jpg hein. Ça y est là, ok, et là alt je mets une forme. C'est cette image, ok. Voilà, il est là-bas. Maintenant, je vais mettre un ID pour l'image form. Non, non, pas pour l'image form. Comment je vais faire pour aligner ça? Pour aligner ça, je crois que c'est le footer que je vais mettre text align center. Ouais. On va mettre parce que ils sont tous dans le footer. Je vais mettre un text align center. Là, j'ai oublié un point virgule pour amener ça sur le ligne. Ok. Ouais. Tout est au milieu. Ok. Ok. Non, après l'image, je vais mettre maintenant plateforme et plateforme de cours et l'image livre. Hein? Ok. Maintenant. Là, qu'est-ce que je fais là? Je vais devoir mettre un spin. La balise spin, c'est une balise sur une ligne où on peut mettre tout ce qu'on veut quoi. C'est une balise qui permet de mettre des éléments à l'intérieur. Maintenant quand on met ces éléments à l'intérieur, ça va s'afficher sur la ligne sans aller à la ligne. Et là qu'est-ce que je mets là-bas? Je vais mettre là-bas plateforme de cours. Plateforme de cours. Oups. Je regarde. On dirait que Niam Niam ce sont des couleurs blanches. Donc je vais ajouter ici un break. Ici un break line pour aller à la ligne, ok. Plateforme de cours. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup d'espace. Hein? Il y a beaucoup d'espace. Hein? Je ne peux pas faire ça avec BR. Il faut que l'image de la formulaire. Oui, l'image ça. Ouais. Il faut que là je mets attribut ID. Je dis image formulaire. Image formulaire. Et que je mets un margin button. Margin button. Oh. Bon. Je l'avais dit. Là c'est margin, c'est image formulaire.
Je crois que j'ai mis un ID. Voilà. Margin button. Margin button en bas. Et là, je donne like 30 pixels, right? I made two semicolons. Let me, that's why I delete the one. J'ai mon margin, mais c'est beaucoup de margin, hein. Il y en a beaucoup d'espace, hein. Je vais augmenter ça jusqu'à 50 pixels. Écoute, pourquoi pas 100 pixels? Non, 100 pixels de bruit. 80 pixels. Voilà, puis j'augmente encore les margins. Bon, finalement, on a donné 100 pixels. 100 pixels. Voilà, là on est à 100 pixels. Maintenant, là, Spain B. Monsieur Spain est en blanc. Le texte Spain qui est plateforme. Le texte plateforme. Le code est représenté et bien est écrit sur la page HTML en utilisant Spain color white. Voilà, maintenant j'augmente la taille. La taille elle est vraiment grande, hein. La propriété au font size me permet de donner une taille à mon texte. Et là, pourquoi pas 100 pixels? Là, 100 pixels, ça va être huge. Comme vous voyez, ça va être huge, c'est trop grand. Ok, donc on va faire ça à 50 pixels par exemple. Ok. Et that's good, hein? Perform code. Maintenant, il me reste notre image. Ok. On va aller prendre l'image là, c'est le livre HTML. Copier. Et là, coller. Livre HTML, où est-il? Il est là. Livre HTML.jpg, je rename. Là, maintenant je repose ça. Où est-il ça? Je vais poser ça, cette image avec la balise IMG. Là, je mets le source. Là, je mets le livre comme alt. Voilà. Vous voyez ce que ça va me donner? La taille. Il faut que je m'occupe de la taille. Ok, c'est la taille qui pose problème. Je vais mettre ID. Image livre. Ok, comme ID pour appliquer une propriété CSS. Ok. Alright, j'ai mis un ID, donc je mets un ID. Là, je vais donner un height. Bon, pour le width, je ne sais pas. La longueur, je laisse ça comme ça. Mais je m'occupe d'abord des height. 50 pixels. All right. 50 pixels. Tu vois? Fix pixels. Mais là, je crois que 50 pixels is too small.
Ok. Oh là là, il a coupé le courant. Oh là là. Oh là 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 là. Il a coupé le courant. Et qu'est-ce que je mets là? Pourquoi ne pas mettre 80 pixels? Ok. Et voir ce que ça va donner. Voilà, 80 pixels is good. Ah, le courant est revenu. Là, c'est trop trop dur. Couper le courant en plein tutoriel. Bon, il me faut de l'espace. Il me faut de l'espace maintenant. Je vais ajouter mon espace en faisant du margin. Voilà. Margin left. Ah, c'est ne me laisse pas tranquille. Margin left. Pourquoi pas 50 pixels? Margin right. 50 pixels. Là, c'est l'image libre. Hein? Je fais la même chose avec l'image. Avec le Texas Pan Wallbox Pain. Ah, forgot a semicolon. Ok. Voilà, comme vous voyez. Et c'était ça. Hein? C'était ça. Bon. Bon, je vais augmenter donc le footer. Augmenter le footer. Augmentons donc le footer. Parce que la taille du footer, on va l'augmenter. Au lieu de faire height 300 pixels, on va faire height 400 pixels. Ok, voilà. Voilà. Oh. C'était too long. That was too long, too long, too long. A lot of work. Ok, c'est tout long l'autre fois, mais on a finalement eu la page. Ok, et je peux même augmenter les margins. Augmenter l'espace entre le texte. Augmenter l'espace entre le texte plateforme court. Okay. Là, c'est pas margin. 80. Espace entre le texte et l'image libre. Voilà. Imagine plateforme court. Et aussi diminuer le. C'est diminuer ça, c'est trop. Hein? Voilà. Ok. Ben voilà notre beautiful page HTML sur les bases de HTML et CSS sans faire des trucs compliqués, juste que des trucs basiques, des trucs simples et faire toute la page sans utiliser les layout system, les layout system like Flexbox ou bien grid. On les a pas utilisé, on a simplement utilisé des trucs de base. Ok, parce que si on avait utilisé ça en utilisant les OCC, on aurait fini notre page bien, mais on se limite sur les bases. Bon, thank you so much guys, et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne, hein. Cliquez sur le bouton abonner à ma chaîne et pour m'aider à développer ma chaîne, et aussi
Cliquez sur les boutons like. La bouton like, cliquez là-bas. Cliquez là-bas aussi. Ok? Et aussi, je donne des cours. Je donne des cours pour encadrer ce qui ça leur intéresse. Bon, pour ceux qui veulent apprendre à créer des sites web avec HTML, CSS, j'encadre des personnes pour une durée de 3 mois ou 6 mois maximum, de vous apprendre à créer des sites web pas à pas. Si mes cours sont des cours payants, d'accord, des cours payants, si ça vous intéresse aussi, vous allez quand même me contacter. Ok, see you next time, guys.